Début de semaine mouvementé pour les employés d'Agritech FAA. L'entrepôt de la société a été perquisitionné. Elle serait visée par une enquête pour mise en danger d'autrui et risque d'explosion. Le reportage sur des images de Mereteato. 8 heures passées, interdiction d'entrée, perquisition en cours à l'entrepôt d'Agritech de FAA. 3 semaines après l'incendie qui a frappé Technival à Tipperary, la société spécialisée dans le jardinage et la vente de produits phytosanitaires est passée à la loupe. Des mineurs, agents de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la direction de l'environnement, de la biosécurité ou encore de la CPS et de l'inspection du travail, ont assisté ce matin un contrôle coordonné de différents services de l'État et du pays. Selon nos premières informations, la société serait visée par une enquête pour mise en danger d'autrui et risque d'explosion. Cette intervention était supervisée par le parquet de Papeete. Sollicitée, la procureure en charge du dossier n'a pas souhaité nous accorder d'interview, tout comme le gérant d'Agritech. Conformité des produits dits dangereux ou encore respect des normes du travail, les résultats du contrôle n'ont pas été communiqués à ce stade. Les employés devaient être entendus par les enquêteurs dans la journée.